Romain, toi, disais-nous ça, mes frères.
Parce que si vous prenez tentation comme étant tentation,
normalement, c'est aucune épreuve qui te survit. Et effectivement, beaucoup de bénédictions spirituellement, Dieu utilise les épreuves, mais pas les tentations. Parce que les tentations, c'est le péché qui produit la tentation. Donc, aucune épreuve ne te survit, qui n'est écrite de Dieu, et il ne permettra pas que vous soyez éprouvé au-delà de vous. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen de s'en sortir avec une sélection. Nous devons faire attention parce que c'est le principe de la mort. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair et les sang. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Pas par la vertu de Dieu. Par la puissance de Dieu. Parce que la vertu, c'est la puissance. Par la vertu de Dieu. Pour renverser tes forteresses. Alléluia. Nous combattons avec les armes. C'est qu'il est. Maintenant, quand on a détruit Jéricho, comment ils ont utilisé les armes spirituelles? C'était les hommes qui marchaient. Après, ils se sont mis à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui ou non? C'est ça qu'on appelle spirituel. Et ils ont renversé les forteresses de Jéricho. Les vraies forteresses. Mais quel était le spirituel? C'est l'arche avec les sacrificateurs et tout le peuple qui était là avec leurs armes, mais qui ne les utilisait pas, mais qui ont pu se trouver le tour. On appelle ça spirituel. Le terme spirituel ne veut pas dire invisible, intouchable, non. Jésus est un homme spirituel pour un homme charnel. Prenons la définition de Jésus dans 1 Jean, chapitre 1 à 4. 1 Jean, chapitre 1 à 4. La définition de spirituel. Vous allez voir. Marchons spirituellement.
ça ne veut pas dire que tu marches dans le vide où on ne le voit plus. Il finit, donc tu passes là, on ne voit pas. Non. Très important. Voilà pourquoi je vous dis, moi j'ai déjà posé avec des gens. Mon frère, c'est comment? J'ai posé avec les données. Qui viennent vous agiter la nuit là, pour les sorciers.